Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en compagnie de Costa pour vous présenter le tout nouveau véhicule qui est sorti il y a une heure maintenant, à peu près, je sais pas exactement 30 minutes, une heure. En tout cas, on se retrouve avec Costa. Bonsoir Costa, comment vas-tu? Yo, yo, hello. Alors voilà le tout ouais, nouveau véhicule, le nom du véhicule va s'afficher juste maintenant. Alors c'est un véhicule, à premier abord de type, eh bien, j'ai envie de dire, drogueur. Un drogue. Beau tout-terrain en tout cas, drogue, parce que je prononce visuellement, comment, toi moi, drogueur. Donc c'est un véhicule de type à premier abord trophy truck, tout ça, donc c'est un peu le même style. Il coûte 1,8 million et quand on achète eh bien, le véhicule, eh bien, on a une casquette qu'on va aller voir juste après. En fait, apparemment, enfin en fait, c'est une nouveauté, quoi. Enfin pas une nouveauté, mais ça a déjà apparu, mais... T'as vu, t'as la petite casquette qui s'affiche aussi. Alors, bon, où ça? Il y a de la patate, hein. Quand tu l'achètes sur Où tu South, vois la casquette? va sur South. Ouais. Ah ouais, il a de la patate. Ah ouais. On a débloqué un truc de vêtements, une petite casquette. C'est la première fois que Rockstar fait ça, d'ailleurs. Ouais, c'est la première fois, mais je crois qu'ils avaient déjà fait des trucs comme ça, mais ça apparaît pas comme ça, quoi. Waouh, alors par contre, en termes de puissance... Mais bon, c'est un peu les 4x4 qui vont dans le désert, style Dubaï et tout. Ouais, il est puissant à abuser. Il est puissant. Je sais pas c'est quoi comme 4x4 dans la vraie vie, mais comme je vous ai dit, c'est un sort de trophy truck. Genre, ouais, c'est un trophy, quoi. Alors, dans les commentaires, vous dites entre moi et Kosla qui a la meilleure custom. En tout cas, on est parti. Donc, oui, forcément, c'est un tout-terrain. Alors, blindage à fond, frein de course, pare-choc. Alors, on a vis, ok. Bon, c'est un peu près. Ouais, c'est simple, en fait, c'est un trophy, quoi. Alors, on a pare-choc tout terrain 2. Bouclier 2. Je sais pas c'est quoi la Ok, moi je le vois différence. plus comme ça. Comment? Ouais. Bah moi je ferai une custom, on verra bien. Ok, tu me dis pas pour l'instant. Alors, par contre, en termes de porte. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment des portes pas mal. Mais moi je trouve que les portes originales elles sont pas mal quand même. Hein. Ouais, de série. J'aime bien aussi les tubes perforés. Elles sont vraiment pas Ouais. mal. Tubes perforés, les gars. Ouh là, il y a série qui s'est activée. tubes perforés, j'aime bien. Je vais voir par. Ouais, je pense que je vais mettre tubes perforés. Je kiffe. Même Quoi, celle-là. les échappements, par contre, c'est what the fuck? Ok, tubes perforés. Moteur niveau 4. Échappement, alors. Ouais. Wow! Ah oui! Ah oui, corne de taureau, vraiment beau. Oh, c'est pas mal du tout. Calandre. Alors. Qu'est-ce qu'on a en calandre? On a plaque Grino. Ça a l'air d'être un véhicule un peu. C'est vénère, quoi. Rhinocéros! C'est le direct, quoi. J'ai hâte de voir ta customisation, mais je pense qu'ils vont voter pour moi. Telle est la question, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a des amateurs de couleurs un peu modées, je pense que ça va leur plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de motifs, les gars? Alors, motifs, ouais, je suis pas trop fan des motifs hein, pour l'instant. T'en penses quoi des motifs? C'est pas ouf, hein. Ouais, les motifs sont pas ouf. Bleu. Ouais, c'est pas vraiment pas, c'est pas ouf quoi. Hein. Alors, par contre, la couleur, là, ça va être important. Parce que généralement, des buggy, je pense que, tu vois, c'est pas. Je suis en train de voir quelle couleur je peux mettre. Tu vois, genre, si je mets un petit. Ah, il y a des ailerons quand même. Ah ouais? Écoute, pour l'instant, je suis pas au aileron, mais. Quelle couleur je pourrais mettre sur le véhicule? Ah ouais, le coffre et tout, what the fuck. Quelle couleur noire? Je pense que je vais partir sur un. Puisque noir, tu vois, j'aime bien. Mais le problème, c'est que ça fait Ouais, trop ok. simple. Rouge, c'est pas ouf. Si je fais ça, les gars. En couleur secondaire, ça change quoi? Ça change ça.
sais pas, t'as mis quoi comme couleur toi? Ah, surprise! Parce que tu vois là, ouais, tu me dis pas. Ouf, ouais, c'est pas. Alors, je vais tester un Hésitez autre entre truc. quoi et quoi, toi? Bah, j'hésite entre noir et jaune. Moi, de toute façon, je suis rien à voir dans aucune des deux, donc. Ou alors partir sur ça, comme ça, ok. Et genre, je fais ça. Bah écoute, moi, ma customisation, pour moi, elle est faite. Dès que tu sors, tu me dis, comme ça, je sors en même temps que toi et Genre comme ça. on compare tout ça. Tu vois, ça fait pas. C'est pas attirant, quoi, tu vois. C'est pas. La couleur, là, je vais pas mentir, les gars, je suis un peu bloqué. Caméléon. Non, caméléon. Ah, caméléon, ça peut être pas mal. Attends, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Pas comme ça. Genre comme ça. Non, non. Non. Tu vois, vert bleu. C'est pas mal, j'aime bien comme ça. Comme ça aussi, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien aussi. Bon, je m'ouvre un peu. Je pense que je vais partir sur du. Ouais, ça. Et en secondaire. Secondaire, un truc un peu plus attirant. Genre un truc qui fait bien ressortir, non pas rouge. Ouais, c'est vrai. Moi, en tout cas, là où j'avais du mal, c'était C'était les quoi? portières, elles sont pas incroyables. Ah ouais? Écoute, je vais Ouais, partir si, sur c'est ça. moins. Ok, moi j'ai fini en termes de couleur. Siège de machin, ok, plaque. Ouais. Tube. On va s'en mettre. Aileron. Ah oui, d'accord. What the fuck? Ah ouais, stylé l'aileron. Ouais, vraiment pas mal, hein. Suspension de compétition, transmission de course, coffre. Ah, ça c'est important. Je pense qu'en termes de coffre, faut pas mettre de roue. Voilà. J'aime bien de base, hein, je vais laisser de base, je pense. Non, après, ça fait bien, tu vois, parce que ça fait. Genre, ça fait un peu vénère. Ouais, je vais mettre lui. Turbo, on met. Roue, type de roue, ça, on touche pas. Les roues, peut-être juste à la limite. L'échanger comme ça. Est-ce que. Attendez, je vais regarder quand même les roues tout-terrain qu'on a. Non, je vais laisser de base parce qu'elles sont vraiment belles. Ok, et eh ben écoute, j'ai fini. Manque juste la couleur de l'éclairage à changer. J'ai mis du verlime, voilà. Eh ben écoute, j'ai fini. Allez, tu peux sortir. Allez. On va voir ta couleur. Waouh, ouais, dégueulasse, regarde-moi, incroyable. Hein. Franchement, on est parti sur un. Alors, dans les commentaires, votez entre, du Attends, coup. attends, attends, on fait la présentation là. Nous deux, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Alors, est-ce que vous préférez celui de Unreal ou celui de Kosla? C'est à vous de voter. Je vais pas te mentir que le. Tiens, je kiffe pas mal, hein. Bah, il est vraiment pas mal. Et puis, le truc qui est stylé, c'est que. L'arrière, tu vois, il n'y a pas de roue ou quoi. Je trouve qu'en fait, ça ressort bien avec le petit motif blanc, la couleur un Viens à côté de moi peu. comme ça. Viens à côté de moi. Tu vois, en plus, toi, t'as sorti plus au mien. Toi, genre. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est comme si on avait custom le véhicule et on se l'était échangé. Ah ouais, le tien il est vraiment vraiment beau. Moi, je J'avoue que pense j'aime qu'il bien. faudrait faire un petit test de vitesse. J'avoue que j'aime bien le tien. Donc c'est parti, on va tester la vitesse. On va aller voir la casquette en même temps. On se donne rendez-vous au magasin juste là. Oh, il a de la patate. Hein. Oh là là. Oh, ouais, c'est vrai qu'il bombarde. Il a du punch quoi. Hein. C'est. Est-ce qu'il monte bien les trottoirs? On va voir ça après. C'est quoi la casquette qu'ils nous ont donnée là? Ouais, donc on va dans le pavé tactile, on va dans accessoires, on va dans chapeau et flèche de gauche, moitié casquette Yeti Enus A. Je pense qu'il y en a plusieurs parce que là j'ai casquette logo x2 A aussi. En fait, je pense que. Ah ouais, laissez avec le logo Rockstar là. J'aime Ouais, bien, j'aime bien. ils Bah nous écoute, ont. viens, on va tester la puissance du véhicule. Ouais, ils nous ont donné plusieurs casquettes en fait. Effectivement, en tout cas, pour le moment, je vais pas vous mentir qu'il a vraiment de la patate.
Alors, je vais monter des trottoirs, des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais, tiens, ouais, il est pas mal. Ah oui. Ah ouais, Au niveau direction, il est pas ouf. Par contre, niveau. il bégaye pas, quoi. Il monte un Oh, truc, il le monte, quoi. oh, j'en ai même perdu mon pare-choc. Ah ouais, c'est abusé, en fait. Regardez comment il monte tous les trucs. Ouais, en plus, avec la fluidité de PS5, incroyable. Voilà, franchement, ça comme véhicule, je valide. J'avais là à droite, là. Ouais, sur les dunes, les boss à gauche, là. Ouais, je valide. Genre, je vais monter ça normal, regardez. Ah, attends, c'est peut-être un truc invisible qui bloque. Ah, il y a un truc invisible qui bloque. Bah, je vais monter ça, tiens, par exemple. Ça marche pas mal, ça. Voilà, hop, les. Ça marche pas mal aussi. Hop, les. Ok. Ouais, c'est incroyable. Eh bien, je valide fortement le véhicule, les gars. Il coûte 1,8 million. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Ciao, ciao.